Mamie Chouao, aïe. Mamie Chouao, aïe. Aïssa, allez, mina, oui, mamie Chouao. Et y'a d'oketo, mia, mina, oui, mamie Chouao, aïe. Mamie Chouao, aïe. Aïssa, allez, mina, oui, mamie Chouao. Et y'a d'oketo, mia, mina, oui, mamie Chouao, aïe. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons vous dire, si vous avez des propositions à faire, vous n'avez qu'à nous appeler au 00225-01-08-02-31 parce que ici à Abidjan.net, nous n'avons pas la vérité absolue. Je tiens à remercier et à saluer mon ami Ben Trazo qui est venu du Canada et qui a tout fait pour booster toutes ses entreprises. Sans oublier mon ami Yeo Frédéric. Ce qui s'est passé à Korogo, ce n'est pas joli pour l'image du RDR. Ce n'est pas, devant Dieu, il faut le reconnaître. Peu importe, hein, chacun peut être dans son mouvement, chacun peut être dans son parti politique, mais jusqu'à aller provoquer la mort de quelqu'un, ce n'est pas du tout joli. Surtout que ce soit le RACI, que ce soit le RDR, c'est tous les mêmes militants du RDR. Peut-être à un moment donné que des petites divergences, divisent, mais qui sont faciles à rattraper. Ça, c'est très facile à rattraper. Ce qui s'est passé à Korogo, ce n'est pas joli. Ça va créer d'autres problèmes, d'autres situations. Je ne peux pas concevoir et accepter qu'il y ait mort d'homme, surtout que c'est à Korogo. Est-ce que vous savez au moins ce que représente Korogo au niveau sur le plan national en Côte d'Ivoire? Si vraiment je vous en prie beaucoup, ayez du respect pour le patriarche Gon. Ça, je vous dis sincèrement, voilà un monsieur, si vous répétez l'histoire, rappelez l'histoire de Korogo, voilà un monsieur, avec l'avancée brutale, criminelle, meurtrière de Samori Touré, il a reçu Samori Touré et ils ont fait la paix, ce qu'on appelle des guerres ou le pacte. Rien que pour éviter à Korogo des tueries par Samori Touré. Mais quand vous pensez au patriarche qui a créé cette ville-là, qui a pris des actions de paix, qui n'a même pas voulu qu'il y ait des affrontements à Korogo, tous ceux qui sont à Korogo, tous ceux qui sont même de son ethnie, tous ceux même qui sont même de sa lignée, chacun doit toujours faire la promotion de l'apaisement. Et ça, je vous dis sincèrement, regardez aujourd'hui où Gon Coulibaly habite là. C'était la maison du vieux Gon. Et cette maison, c'est Gon qui est venu, qui a mis peut-être une clôture. Il n'y avait pas de clôture. Tous ceux qui passaient à Korogo partaient manger. Donc moi, j'aurais souhaité que ce qui s'est passé, c'était un mauvais exemple, une mauvaise image pour la vie de Korogo et une mauvaise image même pour le RDR. C'est pas une mauvaise image pour les fils de cette région-là. Korogo fait qu'on va me dire non, RACI, c'est proche de Soro. Mais ça ne fait rien. Vous êtes tous les enfants de la même zone. Il faut ce qui s'est passé. C'est pas du tout juste. C'est pour ça que j'interpelle. C'est bien que Guinée Comina est décédé, mais il reste encore deux personnes qui sont vivantes, qui ont contribué à la création du RDR. J'ai parlé de Koti, et puis j'ai parlé de Sarah Soro. Les deux sont encore vivants. De temps en temps, intervenez pour amener les fils de cette formation politique-là à mettre un peu balle à terre. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas joli. Moi, je me rends à Korogo afin de m'acquérir des circonstances dans lesquelles le jeune a été tué, et puis interpeller le procureur pour qu'on sache en fait qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'il y ait mort d'homme. Parce que moi, je n'écoute pas les déclarations de chaque parti politique. J'aimerais regarder qu'est-ce qui a créé la mort de ce jeune homme-là. Les gens sont déjà assez morts pour l'arrivée du RDR au pouvoir. Mais si RDR au pouvoir, là, il ne doit pas toujours continuer à mourir. Il doit maintenant être joyeux, bénéficier de cette lutte-là. Je vous dis, c'est parce que je dis ce qui s'est passé dans lui maintenant. Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, mais regardez, entre eux-mêmes, ils se tuent. Et qu'ils ont affaire à des gens. Ce n'est pas bien pour l'image du RDR. Si moi, j'étais à Korogo et puis j'ai vu le RACI qui fait rassemblement, vous savez ce que j'allais faire? Si j'étais peut-être un conseiller, mais j'allais me lever pour dire vous réunissez, c'est 15 jours quand je peux prendre 10 cagés de sucreries, leur offrir, donner ces 4 000 francs pour dire allez-y, dès que c'est fini, vous avez votre transport rentré. Même si je suis un proche du chef de l'État, Alassane Ouattara, même si je suis un proche du Gon Coulibaly, j'allais le faire. Quand j'ai fini de faire là, quand ils vont partir, ils vont dire ah les gars, on dirait qu'on est des parents. Et c'est des actions qui vont poser, c'est très important. Ce qui s'est passé à Korogo, ça salue l'image du RDR, ça salue l'image de la vie de Korogo et ça salue l'image du patriarche Gon. Je vous
vous en prie, nous donnons souvent des exemples de ce monsieur-là qui aimait les gens, ceux qui ont mangé tout le temps. Il faut éviter ce qui est arrivé, que ça se répète. À bon entendeur, à la prochaine. Emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo.